Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado. El faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. Hizo preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase en perseguir a los israelitas, mientras estos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes, y les dieron alcance mientras acampaban en Feirot, frente a Baal Safón. Se acercaba el faraón. Los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y, muertos de miedo, gritaron al Señor. Y dijeron a Moisés: «¿No había sepulcros en Egipto? Nos has traído a morir en el desierto. ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto». Moisés respondió al pueblo: «No tengáis miedo, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, vosotros esperad en el silencio». El Señor dijo a Moisés: «¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjunto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que os persigan y me cubran de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus herreros». Palabra del Señor. Chantons au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars de Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge, l'abîme les recouvre. Ils descendent comme pierre au fond des eaux. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire.
l'ennemi. Tais au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est noir, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est noir, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est noir, en lui je me glorifie. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est noir. Alléluia, 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 alléluia. Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. » Car Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Les scribes et les pharisiens demandent à Jésus un signe. D'une certaine façon, c'est normal, parce que Dieu donne des signes. Par exemple, la création qui nous entoure, c'est un signe. Ça nous dit quelque chose de Dieu. Le pape François, dans son encyclique, il dit que la nature, c'est comme une caresse de Dieu. Donc Dieu nous donne des signes, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours bien les voir, ces signes. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai rencontré une femme qui a arrêté de pratiquer depuis des années. Et puis, je parlais avec elle, elle me dit, mais enfin, quand même, de temps en temps, j'aime bien rentrer dans une église. Et c'est bizarre, à chaque fois que je rentre dans une église, je suis prise par une émotion très forte. Alors, je lui ai dit, ben, peut-être que c'est un signe. Peut-être que ça veut dire que le Seigneur, il vient frapper à la porte de votre cœur. Et puis il vous demande de revenir à lui. Donc on ne sait pas toujours les voir, ces signes. Alors il y a aussi ceux qui voient des signes partout.
Je me souviens d'une amie, à chaque fois qu'il y avait un oiseau sur sa fenêtre, c'était un signe. Bon. En tout cas, le Seigneur nous fait des signes. Bon, revenons à nos scribes et à nos pharisiens. Quel est le problème avec eux? Ils demandent un signe, mais le problème, c'est que Jésus n'a pas arrêté de leur donner des signes. Il a parlé comme personne en Israël, il a accompli des promesses de l'Ancien Testament, il a fait voir des aveugles, il a purifié des lépreux, il a fait marcher des paralysés. Donc, il n'a pas arrêté de faire des signes et ils en demandent toujours davantage. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se convertir, ils refusent de croire. Ils voudraient une preuve flagrante, une preuve un peu scientifique, si vous voulez, indiscutable. Donc ça veut dire qu'ils refusent l'acte de foi. Hein. L'acte de foi, par nature, il y a une non-évidence dans l'acte de foi. Il y a quelque chose qui n'est pas évident, il faut faire confiance. Et ils refusent de faire confiance. Remarquez, pour nous, parfois c'est un peu pareil. Parce que on voit bien qu'on n'est pas toujours, qu'on ne suit pas vraiment Jésus à fond. Hein. Souvent, on est un peu mou, un peu tiède dans notre façon de suivre le Christ. Et plus ou moins consciemment, on se dit, oui, mais enfin, si j'avais vraiment un signe, oui, alors c'est sûr, là, je vivrais l'évangile à 100%. Oui. Parfois, on tient des raisonnements du style, bon, Seigneur, c'est promis, si je vois ton visage apparaître au-dessus de l'autel, j'irai me confesser. Et, bon. Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus, ben, il nous dit, comme il a dit aux scribes et aux pharisiens, cette génération demande un signe, mais en fait de signe, il ne leur sera donné que le signe de Jonas. Et Jésus explique, vous avez entendu, le signe de Jonas, ça renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est le mystère pascal. Oui. Voilà le signe que Dieu nous donne. C'est sa mort et sa résurrection. C'est le signe qui atteste son identité. Souvenez-vous, au pied de la croix, le centurion, il dit vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus, c'est le signe qui atteste non seulement son identité, mais aussi sa puissance. Il est plus fort que les puissances des ténèbres. Et donc, on peut vraiment le suivre. C'est vraiment lui notre sauveur. Et puis surtout, c'est le signe qui manifeste l'amour infini de Dieu pour nous. C'est une preuve, alors ce n'est pas une preuve au sens scientifique comme celle que voulaient les scribes et les pharisiens, mais c'est une preuve d'amour. Il a été jusqu'au bout. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. C'est vraiment la manifestation de cet amour de Dieu qui a été jusqu'au bout pour nous sauver. Alors vous me direz, oui, tout ça c'est bien beau, ce signe est magnifique, mais enfin c'était il y a 2000 ans. C'était il y a 2000 ans, mais c'est aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure sur l'autel? Au cours de l'Eucharistie, la mort et la résurrection de Jésus, ce mystère pascal est rendu présent. On ne va pas faire semblant. On ne va pas faire que se souvenir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. À chaque Eucharistie, ce signe nous est donné. À chaque Eucharistie, et c'est ce qui va se passer tout à l'heure, le Seigneur donne sa vie pour nous. Ceci est mon corps livré pour toi. Il donne tout pour nous. Mais qu'est-ce qu'on attend de plus? Qu'est-ce qu'on attend de plus? Comment ça se fait que nous ayons tant de mal à nous décider à prendre vraiment au sérieux l'Évangile, à nous décider à nous convertir vraiment? Les habitants de Ninive, eux, se sont convertis suite à la proclamation faite par Jonas. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à voir ce signe que le Seigneur nous redonne Eucharistie après Eucharistie? Peut-être pour une part parce que nous avons peur. Je crois qu'en nous-mêmes, nous sommes tiraillés. Vous savez, il y a à la fois, d'un côté, on sent bien que Jésus, c'est le chemin, quoi. Il faut le suivre. C'est vraiment lui qui est notre libérateur, c'est vraiment le bon chemin qui conduit à cette plénitude de vie à laquelle nous aspirons. Et puis en même temps, ça résiste en nous. Hein. Et puis on freine des quatre fers parce qu'on pressent bien que suivre Jésus, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Parfois c'est un petit peu compliqué, hein, et il y a une part de combat.
Et au fond, c'est ce qui s'est passé avec les Hébreux. Vous avez entendu, vous n'avez peut-être pas entendu, mais vous avez lu la première lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Hébreux, ils étaient esclaves des Égyptiens. Donc, ils subissaient les corvées, le fouet, etc. Dieu les a délivrés et les a fait sortir d'Égypte. Et puis, ils arrivent à la mer Rouge. Et là, au loin, qu'est-ce qu'ils voient? L'armée de Pharaon avec ses chars et ses chevaux qui arrivent. Alors, quelle est leur réaction? Bon, d'abord, ils sont morts de trouille. Et ensuite, ils disent à Moïse, mais qu'est-ce qu'on fait là? On aurait mieux fait de rester en Égypte. Il vaut mieux être esclave de Pharaon en Égypte, tranquille, plutôt que de mourir dans le désert. Au fond, ils auraient voulu passer directement de l'Égypte à la terre promise, sans passer par la case désert. Eh bien, ça aussi, c'est un peu nous. Nous, on sait que Jésus nous a délivrés. Il ne nous a pas délivrés des Égyptiens, mais il nous a délivrés du péché. Et on sait que c'est lui qui va nous conduire à la terre promise, c'est-à-dire au ciel. Mais entre les deux, en attendant, ah ben oui, c'est le temps du désert, c'est le temps de l'épreuve, c'est comme dit saint Paul, nous sommes dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Eh oui. Et là aussi, nous avons du mal. Notre marche à la suite du Christ, elle ressemble parfois à un parcours du combattant, et puis à ces épreuves, ben oui, les épreuves de la vie que vous connaissez. Ça peut être la maladie, ça peut être les difficultés liées à la vie professionnelle, les difficultés relationnelles au sein de la famille, avec les enfants, ou entre conjoints, avec les parents, etc. Et de temps en temps, on se demande si vraiment ça vaut le coup de suivre Jésus, si c'est pour connaître toutes ces épreuves. Vous savez, il y avait Thérèse d'Avila, qui manquait pas d'air. Un jour, elle a dit au Seigneur, « Seigneur, si c'est comme ça que tu traites tes amis, c'est pas étonnant qu'il y en ait si peu, hein ?» Et c'est un peu notre réaction parfois, hein ? Vous voyez, au fond, on ne peut suivre Jésus que dans la confiance. Et je pensais à une image, parce qu'en Corse, il y a beaucoup d'acrobranches. Vous voyez ce que c'est les acrobranches ? Les enfants, ils aiment bien ça, c'est des espèces de câbles entre les arbres. Alors on passe d'un arbre à l'autre, là, à 10 mètres au-dessus du sol, et... Eh bien, vous imaginez un acrobranche, alors, il y a une sécurité, il y a une assurance, hein, vous ne risquez rien, vous êtes vraiment attaché à un câble, l'assurance bien visible, il n'y a pas de problème. Même avec l'assurance bien visible, il y en a qui hésitent à passer quand même, hein, ce n'est pas évident. Eh bien, imaginez un acrobranche avec une assurance invisible. Eh bien, la vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, c'est l'acrobranche avec une assurance invisible. L'assurance est super efficace, mais elle est invisible. Donc, il n'y a pas le choix, il faut faire confiance. Et c'est pour ça que Moïse, vous avez lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit quand les Hébreux étaient morts de trouille? Il leur a dit, n'ayez pas peur, tenez bon, le Seigneur combattra pour vous. Et il leur a même dit, vous n'aurez rien à faire. Rien à faire si ce n'est faire confiance. Vous voyez, frères et sœurs, je crois qu'à travers tous ces textes aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire, à chacun d'entre nous, nous qui sommes ici, le Seigneur vient nous dire, n'aie pas peur. Je connais tes difficultés. Tu n'y arrives pas parce que tu ne me laisses pas faire. Fais-moi confiance. Prends au sérieux ma parole et accepte que tout ne se fasse pas en 5 minutes. Accepte le passage par le désert. Dans un instant, sur cet autel, je vais donner ma vie pour toi. Sauras-tu reconnaître ce signe? Est-ce que tu voudras bien en retour me dire, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Si tu dis oui, alors c'est ta vie qui deviendra un signe pour les autres. Amen.